Aujourd'hui, vous pouvez constater sur cette partie-là, on a 18 ans de non-peinture, c'est vraiment très fade. Il suffit de... Vous voyez, quand on revient à la couleur ardoise, enfin, c'est vraiment quelque chose qui s'imposait. Hein. Il y a un vrai contraste sur les couleurs. Et c'est ce qui manquait un petit peu sur ces belles architectures. Là, on a à peu près de trois semaines à deux de peinture pour la reprise totale, donc des couvertures ardoises, tuiles, des faîtages, tout ce qui est chéneau, et puis certaines façades. Puisque là, on a des couleurs qui ne sont pas trop contractuelles. Alors forcément, il faut essayer de remettre ça plus dans la réalité et dans le goût du jour. Voilà, il y a des gens qui rentrent un petit peu qui rentrent sur place parmi les maquettes pour faire des photos improbables et sûrement uniques. Mais bon, bah, ils ont le pied souvent un petit peu lourd, alors ça nous détériore les ponts, les rambardes, voilà, des petits murets qu'on a pour habitude de changer assez régulièrement. Là, on avait un pont. Un pont-levis avec des rambardes un petit peu partout. Et puis vous voyez, on voit qu'elles sont à reprendre. Bon, ceci dit, il n'y a pas de souci, ça se fait plutôt rapidement. Mais c'est vrai qu'on a, quand, on a toujours une maquette sur deux, hein, un château sur deux sur lesquels constamment on revient, et souvent au même endroit d'ailleurs, reprendre des pièces qui cassent. Les métallos sont essentiellement du forex, on va dire à peu près à 95%. Puisque ce qui n'est pas du forex, c'est du métacrylate. Donc c'est ce qui imite du plexiglas, hein, en quelque sorte. C'est ce qui imite tous les vitrages, vitraux. Voilà, c'est du plexiglas qu'on décore avec des petits bois en peinture selon les modèles et qu'on recolle par l'intérieur. Et après, l'extérieur, c'est ni plus ni moins de la peinture. Voilà, il faut s'approcher le plus près de la réalité pour que ce soit le plus semblant possible. Puis on a un résultat qui, au bout de quelques années, arrive à retenir un certain patinage donc sur l'ensemble des murs, couvertures, etc. C'est un résultat qui est plutôt assez satisfaisant.